Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Candy, pour l'introduction. Merci aussi à Sylvie, hein, pour l'organisation avec Candy. Et merci à Bernard pour toute la logistique et toute l'équipe technique aussi, hein, pour tout le reste. Voilà. Je te laisse. Ça y est. Donc, on va faire un peu un survol du trouble bipolaire et du TDAH en comorbidité avec les questions de diagnostic, un petit peu de traitement également. Alors, je commencerai par un petit rappel sur le trouble bipolaire. Certains d'entre vous connaissent déjà bien tout ça, mais peut-être pas tout le monde. Donc, j'ai pensé que ça valait la peine quand même de faire ce rappel. Ensuite, juste quelques mots sur le TDAH et le trouble bipolaire chez l'enfant adolescent, la question du diagnostic différentiel chez l'adulte, également aussi quelques mots sur le diagnostic différentiel avec le trouble de personnalité borderline, parce que, comme vous le savez, ben, c'est souvent difficile de faire la part des choses entre un trouble bipolaire, un TDAH et un trouble de personnalité borderline. Quelques mots aussi sur les outils de screening et puis finalement sur le traitement de la comorbidité. Voilà, donc s'il y a des choses pas claires, vous m'interrompez pendant que je parle et puis on a du temps à la fin aussi pour des questions. Donc pour commencer, les troubles bipolaires, la prévalence actuelle, elle est considérée comme étant de 2 à 3%. Ça, c'est pour les deux grands sous-types, bipolaire type 1, bipolaire type 2. Donc le trouble bipolaire 1 avec les phases maniaque et dépressive, anciennement maniaco-dépression, le trouble bipolaire 2 avec les phases dépressives sévères et les phases hypomanes. Il y a ensuite la question du spectre bipolaire qui est controversée, hein, qui a généré pas mal de débats et qui comprend les autres sous-types qui sont beaucoup moins fréquents, mais qui existent quand même en clinique et que l'on voit de temps en temps. Et à ce moment-là, on arrive à 4, 5, 6% de la population. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout trouble bipolaire 1 et trouble bipolaire type 2. C'est une maladie qui commence malheureusement à un âge assez précoce. Là, vous avez les données sur 3658 patients pour lesquels les auteurs ont regardé à quel âge avait commencé le trouble bipolaire. Et vous voyez que le pic du début de la maladie, c'est entre 15 et 25 ans, avec parfois un début même plus précoce, hein, à l'âge de 8-10 ans, et puis parfois également beaucoup plus tardivement, à 40, 50, 60 ans. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus rare. Et en général, quand ça commence tardivement, il y a un trouble neurologique qui va être associé ou un problème somatique. Donc classiquement, un trouble qui commence à l'adolescence, fin de l'adolescence ou l'âge adulte jeune. Ça, c'est un schéma qui vous résume un petit peu ce que l'on sait actuellement sur la progression de la symptomatologie en partant des prodromes jusqu'au syndrome complet du trouble bipolaire. Et si on regarde au niveau de l'enfance et préadolescence, ça a été montré dans des grandes études en population générale, hein, des grandes études épidémiologiques qui ont suivi des enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et puis également des études qui ont suivi des enfants de parents bipolaires. Et ce que vous voyez, c'est que dans l'enfance et la préadolescence, il y a des symptômes assez atypiques. Donc il peut y avoir de l'anxiété, des troubles de concentration, des troubles du sommeil, des variations d'énergie, des plaintes somatiques. Mais c'est quelque chose de très aspécifique. Donc ça va se manifester chez des enfants qui développent plus tard un trouble bipolaire, mais aussi chez des enfants qui ne vont pas développer un trouble psychiatrique sévère ou qui vont développer un trouble anxieux ou un autre trouble de l'humeur, par exemple. Et puis un peu plus tard, vers l'adolescence, alors là, les choses commencent à se préciser et on va avoir des variations d'humeur plus marquées. Avec par exemple une phase dépressive, il va y avoir une labilité de l'humeur qui est plus importante, qui va se remarquer
des problèmes au niveau du sommeil et puis déjà un certain retentissement fonctionnel au niveau du suivi scolaire. Et puis finalement, à la fin de l'adolescence ou l'âge adulte jeune, l'épisode maniaque inaugural ou une phase hypomane bien identifiée ou un état mixte ou une dépression sévère. Donc ça, c'est la progression que l'on peut constater à partir de l'enfance jusqu'à l'âge adulte avec l'apparition d'un trouble bipolaire. Je vous mentionne aussi ce schéma parce que le délai entre les épisodes, il peut être extrêmement variable. Il y a des personnes qui vont faire 3 épisodes maniaques et dépressifs sur toute la vie, et puis il y en a qui vont en faire 10 par année. Hein. Donc c'est vraiment très très variable. Donc le délai, il peut se mesurer en années, en mois, en semaines, en jours. Là, on est dans les cycles ultra rapides. Et parfois même dans la journée avec des variations ultradiennes. Ça va poser un problème de diagnostic différentiel, notamment avec le trouble de personnalité borderline, mais aussi avec le TDAH, puisque là, on va avoir une labilité affective et émotionnelle qui va être assez marquée avec des changements très fréquents de l'humeur. Quelques mots sur le DSM-5, puisqu'il a été publié, ça fait maintenant quelques années. Alors, je ne sais pas si vous utilisez le DSM-5, c'est soit la CIM-10, on attend la CIM-11 maintenant, soit le DSM-5. Mais c'est quand même important de faire un petit rappel là-dessus par rapport aux critères diagnostiques. Les changements du DSM-4 au DSM-5, ils ont eu lieu parce que les auteurs trouvaient que la notion d'hyperactivité motrice n'était pas assez claire dans le DSM-4. Et ça, c'est un des grands changements dans le trouble bipolaire au niveau du DSM-5. On va le voir après dans les critères. La notion d'augmentation d'énergie et d'hyperactivité est devenue un critère nécessaire pour poser le diagnostic. Il y avait une exclusion arbitraire des épisodes maniaques déclenchés par un traitement antidépresseur. Donc dans le DSM-4, on considérait que ça n'était pas un trouble bipolaire s'il y avait un épisode maniaque déclenché par un antidépresseur. Il y avait un problème de définition peu précise pour les troubles bipolaires non spécifiés. Et puis les états mixtes étaient définis de manière beaucoup trop restrictive. Ça ne correspondait pas à la clinique que l'on peut constater avec nos patients. Donc en fait, ils ont changé, ils ont enlevé le chapitre troubles de l'humeur, ils ont fait 2 chapitres, troubles bipolaires et troubles apparentés, et puis troubles dépressifs. Et ils ont introduit une nouvelle catégorie qui s'appelle autres troubles bipolaires spécifiques et apparentés. Alors, ce sont des troubles que l'on voit de temps en temps en clinique. C'est beaucoup moins fréquent que le trouble bipolaire 1 ou le trouble bipolaire 2. Mais moi, j'en ai vu quand même qui correspondent à cette description. Donc, ça existe, ce n'est pas une création de l'esprit. Hein. Alors, ça, c'est un de ces sous-types avec des épisodes hypomaniaques de courte durée. Donc, plus court que la durée nécessaire pour qualifier un épisode hypomaniaque. Là, c'est vraiment 2 à 3 jours. Et un antécédent d'épisode dépressif majeur, et puis après on peut avoir plus de dépression, et ces phases hypomanes très courtes. Et là aussi, on est très proche d'un trouble de personnalité borderline, hein, avec des phases très très courtes. Un autre sous-type, c'est les épisodes hypomaniaques avec des symptômes insuffisants, donc ce n'est pas tout à fait un épisode hypomaniaque, et puis des antécédents d'épisodes dépressifs. Ils considèrent que ça fait partie du spectre bipolaire. Troisième sous-type, c'est des épisodes hypomaniaques sans épisodes dépressifs. Donc là, on a de l'hypomanie unipolaire. Il existe des troubles que l'on appelle manie unipolaire, où on n'a que des phases maniaques et on n'a pas de dépression. Ce n'est pas fréquent. Moi, j'en ai vu 2 ou 3 dans ma carrière, mais ça existe. Là, c'est de l'hypomanie unipolaire. Et puis la cyclothymie, mais qui est de courte durée, donc des phases qui peuvent durer 6 mois, une année, avec des variations très fréquentes, mais peu marquées. C'est la cyclothymie de courte durée pour le DSM-5, puisque normalement, il faut au moins 2 ans d'évolution pour parler de cyclothymie. Donc ça, c'est des nouveaux sous-types mineurs, mais qui sont décrits dans le DSM-5. Et puis alors, au niveau de l'épisode maniaque, pour le DSM-5,
C'est une période nettement délimitée pendant laquelle, évidemment, l'humeur est élevée, expansive ou irritable. Hein, ça peut être l'irritabilité qui va être vraiment au premier plan, plutôt que l'euphorie. Et puis, il faut une augmentation anormale et persistante de l'activité orientée vers un but ou une augmentation de l'énergie. Donc ça, c'est nouveau. Et si on n'a pas cette augmentation d'énergie et d'activité, on ne peut pas poser le diagnostic de trouble bipolaire type 1 avec le DSM-5. Alors au début, quand c'est sorti, il y a eu pas mal d'inquiétudes parce qu'on a parfois des patients en phase maniaque, mais qui sont assis comme vous en ce moment, et avec qui on fait un entretien d'une demi-heure, trois quarts d'heure, et qui restent assis sans se lever, qui ne sont pas très logoréiques et qui arrivent à supporter l'entretien. Par contre, dans la tête, ça va très très vite. Il y a une tachypsychie et puis il y a d'autres symptômes qui sont présents mais qu'on ne va pas pouvoir mettre en évidence pendant l'entretien. Donc il y a eu pas mal de discussions là-dessus et par rapport aux études aussi qui avaient été faites avec le DSM-4, est-ce qu'on avait inclus trop de patients considérés comme bipolaires alors qu'ils ne l'étaient pas. Il y a des études maintenant qui montrent que ça va, on est plutôt rassuré. Il y a à peu près 95% de concordance. Si on regarde les patients qui étaient inclus avec les critères DSM-4 et qu'on prend ces critères DSM-5, on arrive à peu près à 95% de concordance. Donc il y en a quelques-uns que l'on va rater, mais ça a l'air d'être quand même plutôt un bon choix d'avoir inclus cette hyperactivité et cette augmentation d'énergie. Un autre critère, c'est qu'il faut au moins 3 des symptômes suivants, ou 4 si l'humeur est seulement irritable. Donc on a toute une liste de symptômes avec l'augmentation de l'estime de soi, les idées de grandeur. Ça, c'est très très fréquent, le sommeil qui diminue mais sans fatigue, la plus grande communicabilité, la fuite des idées, hein, l'attachypsychie, avec cette sensation que les pensées vont très très vite dans la tête, la distractibilité, donc l'attention va être vraiment captée par tout ce qui est dans l'environnement, on aura de la peine à rester sur une chose, l'augmentation de l'activité orientée vers un but, que ça soit social, professionnel, sportif ou autre, et puis engagement excessif dans des activités à potentiel élevé de conséquences dommageables. Donc ça peut être des conduites sexuelles à risque, des investissements très importants, conduire à 200 à l'heure sur des petites routes, etc. Et puis, il y a encore quelques critères qui sont mentionnés. Donc il faut que la perturbation de l'humeur entraîne une altération marquée du fonctionnement professionnel ou des activités sociales. En général, ça se termine par une hospitalisation, mais pas toujours. Et puis, il faut que ça ne soit pas induit par les effets physiologiques d'une substance. Là, ce qui est important, c'est que si c'est induit par un antidépresseur, quand on arrête l'antidépresseur, les symptômes persistent, à ce moment-là, on peut considérer que c'est un trouble bipolaire, ce qui n'était pas le cas dans le DSM-4. Si vous enlevez l'antidépresseur et que les symptômes régressent en quelques jours, alors on considère que ça a été induit par la molécule et ce n'est pas un trouble bipolaire. Voilà un petit peu à quoi ressemble la manie. Alors là, c'est pour vous donner un exemple. C'est une des patientes que j'avais suivies il y a une quinzaine d'années, au début qu'elle avait été adressée dans le programme bipolaire. Donc ça, c'est son agenda au début du mois de février, qui est encore assez peu rempli, qui est assez bien organisé. Et puis, quelques semaines plus tard, fin février, ça commence à être très chargé, avec beaucoup de stabilo-boss. Là, on est encore un petit peu plus tard, on est au début mars. Alors là, ça devient vraiment très très chargé, elle rajoute encore des post-it et plein de choses, on a de la peine à comprendre. Et puis finalement, ça c'est juste avant l'hospitalisation, quand elle est en phase maniaque avec des symptômes psychotiques. Donc là, vous voyez bien la progression de l'humeur avec la frénésie d'activité et puis finalement la désorganisation. Mais si on retourne à ces pages-là de l'agenda, ça pourrait aussi correspondre à quelqu'un qui a un TDAH et qui a tendance à noter beaucoup de choses, plus ou moins bien organisées, avec tout d'un coup une idée qu'on va noter là comme ça. Celui-là également, on rajoute des petits billets pour ne pas oublier.
Ça pourrait aussi correspondre à quelqu'un qui souffre d'un TDAH. Après la manie, l'hypomanie. Alors ça, c'est très intéressant. Il faut que ça dure 4 jours au moins dans le DSM-5. Et puis, au cours de cette période, eh bien, l'humeur va être élevée, expansive ou irritable. De nouveau, c'est comme dans la manie, ça peut être l'irritabilité qui est au premier plan. Et puis, il y aura une augmentation anormale et persistante de l'activité ou du niveau d'énergie. Donc, c'est la même chose, il faut vraiment qu'il y ait cette composante d'activité ou d'énergie augmentée avec, de nouveau, les mêmes symptômes que dans la manie, mais à un niveau plus modéré. Là, c'est la même chose, il ne faut pas que ça soit induit par une substance physiologique. Et puis, si c'est induit par un antidépresseur et que quand on enlève l'antidépresseur, les symptômes subsistent, alors on peut considérer que c'est un trouble bipolaire type 2. Le problème avec les troubles bipolaires, c'est que c'est très très rarement un trouble bipolaire pur, entre guillemets, ou isolé. Et il y a passablement de comorbidités qui vont être associées. Là, vous avez la fourchette des différentes études qui ont abordé cette question. Très souvent, un trouble anxieux va être associé à la bipolarité. Trouble alimentaire, c'est possible aussi. Trouble de personnalité, évidemment. Et assez souvent, le trouble de personnalité borderline. Trouble lié à l'abus de substance, très très fréquent. À peu près 50% de comorbidité. Et puis, le TDAH, chez l'adulte notamment, vous avez les chiffres, là, la fourchette, 9 à 20%, donc relativement fréquent. Et puis, on peut avoir évidemment un trouble anxieux, un TDAH et un trouble de personnalité associé. Donc, ça donne des tableaux cliniques assez complexes, difficiles à traiter, que ce soit au point de vue psychothérapeutique ou pharmacologique. C'est souvent assez difficile. Le problème de l'abus de substance, donc ça c'est une des grosses difficultés avec les troubles bipolaires. Là vous avez les chiffres pour différentes substances. Vous voyez le cannabis, jusqu'à 2/3 des personnes qui ont un trouble bipolaire vont consommer. La cocaïne, très fréquent aussi, et d'autres substances également. Un problème important aussi, c'est le potentiel de récurrence, parce que malheureusement, après un premier épisode, que ce soit maniaque ou dépressif, il va y avoir des symptômes résiduels pendant environ 5 à 6 mois. Donc ça prend beaucoup de temps pour revenir à l'état antérieur à l'épisode. Et puis même avec un traitement pharmacologique, il y a à peu près 1/3 des patients qui vont refaire un épisode après une année et 2/3 après 2 ans. Et ça, c'est en prenant un traitement régulièrement. Donc, c'est quand même des taux de rechute et récidive qui sont malheureusement assez élevés. Il y a à peu près 1/3 ou la moitié des patients qui ont un trouble bipolaire qui n'arriveront pas à retrouver la rémission fonctionnelle, même si les symptômes disparaissent. Donc, il va y avoir des difficultés cognitives, des problèmes au niveau de l'attention, de la concentration notamment. On sait maintenant que ces déficits cognitifs, ils augmentent avec le nombre d'épisodes. Ils sont souvent présents dès le premier épisode, mais on peut récupérer si le traitement est efficace. Par contre, quand il y a plusieurs épisodes, et surtout les épisodes maniaques, les troubles cognitifs vont s'installer. Donc il faut vraiment éviter les épisodes maniaques. C'est beaucoup plus néfaste que les épisodes dépressifs au niveau des séquelles cognitives. Et puis la majorité des patients qui ont un trouble bipolaire prennent au moins 3 psychotropes, et ça indique que le traitement est difficile et qu'il y a souvent des résistances au traitement. Donc les thérapeutes, les médecins rajoutent un deuxième traitement, un troisième, des fois 4, 5, parce que la réponse est insatisfaisante. Et tout ça, ce problème de récurrence et de chronicité, évidemment, ça peut donner des évolutions psychosociales défavorables. C'est plus marqué chez les patients avec un trouble bipolaire type 1, probablement à cause des phases maniaques qui, comme je disais avant, vont laisser des séquelles, parfois très longtemps. Et quand il y a beaucoup d'épisodes et des épisodes sévères,
c'est des séquelles qui peuvent rester toute la vie. Et puis enfin, le risque suicidaire qui est très élevé, plus élevé que dans la dépression unipolaire, c'est 10% à peu près de décès par suicide sur la vie entière. Donc voilà, en résumé, les différents symptômes de la bipolarité qui sont présents dans la maladie et qu'il faudra traiter, hein, entre la dépression, la manie, l'hypomanie et les états mixtes. Alors ça peut être un état mixte hypomaniaque, donc l'hypomanie avec 2, 3, 4 symptômes dépressifs, ou l'inverse, une phase dépressive majeure avec quelques symptômes hypomaniaques ou maniaques. Donc ça peut être une dépression avec une tachypsychie par exemple, une agitation psychomotrice qui va donner un état mixte, et ça c'est très fréquent. Chez l'enfant et l'adolescent, alors ce qui ressort des études, c'est que jusqu'à 60%, donc à peu près 2/3 des adultes qui ont un trouble bipolaire, rapportent le début de leur maladie avant l'âge de 18 ans, et assez souvent même avant l'âge de 15 ans, ça va à 10 ans, 8 ans, parfois même encore plus tôt. Le problème qu'il y a actuellement en clinique, c'est qu'il n'y a pas de consensus entre les experts. Ce n'est pas comme pour le trouble bipolaire chez l'adulte, où là tout le monde est d'accord. Là, on n'a pas de consensus sur la manière de définir et d'interpréter les symptômes. C'est beaucoup plus difficile chez l'enfant et le jeune adolescent, donc ça complique aussi les études qui ont été faites, parce qu'il y a parfois une surinclusion d'enfants considérés comme bipolaires, et notamment aux États-Unis, où là il y a quand même eu un certain dérapage, où on trouve des études avec des enfants de 5-6 ans qui sont inclus dans l'étude pour une phase maniaque, avec des traitements pharmacologiques, parfois assez lourds. Ça c'est des choses que, heureusement, on ne fait pas en Europe, mais on trouve quand même maintenant un certain nombre d'études avec des enfants très jeunes qui sont considérés comme bipolaires et inclus dans ces études. Donc là, on n'a pas encore des éléments très précis pour pouvoir vraiment diagnostiquer un trouble bipolaire chez un jeune enfant. Mais ce qui est quand même clair, c'est que si on prend le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, ces symptômes subsyndromiques, mais qui sont déjà bien identifiables, ils peuvent être présents beaucoup plus tôt, donc dans l'enfance, et les symptômes syndromiques également, donc dans les troubles bipolaires vraiment sévères, quand il y a une vulnérabilité très élevée, on peut avoir le début de la maladie à un âge relativement jeune, voire très jeune. Alors heureusement, c'est quand même beaucoup plus rare, mais ça peut commencer dans l'enfance, et à ce moment-là, tout ça est décalé vers la gauche. Les études qui ont regardé la prévalence de la comorbidité TDAH et troubles bipolaires, elles sont assez controversées. Donc on voit des chiffres vraiment très très variables, mais c'est justement en partie parce que les critères pour la bipolarité chez l'enfant et le jeune adolescent, ils ne sont pas bien définis. Et donc, suivant les études, on a des chiffres très très variables. Les études les plus récentes et qui sont plus prudentes, elles montrent une comorbidité qui ne serait que entre guillemets, hein, d'environ 15%, parce que dans d'autres études, on a des chiffres de 60%, 50%, des chiffres vraiment très très élevés, qui sont un peu surprenants et qui très probablement ne correspondent pas à la réalité. Là, on est plus proche de la réalité clinique. Alors, je ne vous remonte pas les critères du TDAH, puisqu'il y a eu déjà plusieurs conférences et il y a une bonne partie d'entre vous qui est déjà venue aux autres conférences, donc on ne va pas refaire les critères du TDAH. Il n'y a pas d'évidence bien démontrée que le TDAH est un facteur de risque pour développer un trouble bipolaire, parce que ça, c'est ce qu'on voyait il y a une dizaine d'années dans certaines études qui suggéraient que si on a un TDAH dans l'enfance, alors on a vraiment un risque plus élevé de développer un trouble bipolaire à la fin de l'adolescence ou à l'âge adulte. Ça, c'est actuellement remis en question, c'est pas bien démontré. Par contre, ça a l'air d'être un facteur de risque pour que le trouble bipolaire commence plus tôt. Donc au lieu de commencer à 20-25 ans, il va commencer peut-être à 15 ans ou un peu plus tôt quand il y a un TDAH, mais ça c'est chez
des sujets qui sont vulnérables pour le trouble bipolaire. La vulnérabilité est déjà là. Donc le trouble bipolaire allait se déclencher à un moment donné. Le fait d'avoir le TDAH, ça fait que le trouble bipolaire apparaît plus tôt. Et puis ce qui a l'air de se préciser dans les études maintenant, c'est que quand on a les deux troubles, il va y avoir un moins bon fonctionnement global, des symptômes plus sévères et plus de comorbidités additionnelles que si on a un seul des deux troubles séparément. Bon, ça c'est assez logique, ça fait quand même deux troubles qui sont des troubles assez marqués. Si on les a en même temps, ça va évidemment compliquer le fonctionnement global et l'évolution. Et puis il y a des études aussi intéressantes qui ont regardé, qui ont comparé des enfants qui ont un TDAH et qui ont un de leurs parents qui a un trouble bipolaire avec des enfants qui n'ont pas de parents avec un trouble bipolaire et qui ont un TDAH. Et en fait, les enfants dont un des parents a un trouble bipolaire, ils vont avoir des symptômes de TDAH plus sévères que ceux qui ont des parents qui n'ont pas de trouble bipolaire. Donc le fait d'avoir un parent bipolaire donne un degré de sévérité au TDAH chez la descendance. Alors là, il y a probablement en partie des facteurs génétiques qui rentrent en ligne de compte, puisque les deux troubles sont transmis de manière très forte au niveau génétique. Après, il y a l'environnement qui fait aussi la différence, mais la génétique est quand même très importante dans les deux troubles. Il présente également une prévalence sur la vie plus élevée de troubles bipolaires, de dépression et de troubles anxieux. Donc ça, c'est les enfants qui ont un des deux parents qui a un trouble bipolaire. Bon, ce n'est pas très étonnant. Ils ont une vulnérabilité plus marquée et une charge génétique plus lourde pour développer une bipolarité. Si on regarde chez l'adulte, alors ça, c'est un article très récent. Si vous avez le temps de le lire, il est très très bien fait. Il est vraiment à jour et il est bien résumé. Et il présente ce schéma avec au centre le TDAH, les troubles comorbides potentiels, hein, ça c'est dépression majeure, troubles bipolaires, consommation de substances et troubles anxieux généralisés, avec les symptômes de ces différents troubles. Et puis ici, les symptômes qui vont se chevaucher avec certains des symptômes de ces troubles. Et vous voyez qu'il y en a toute une série. Alors pour le trouble anxieux généralisé, ben, le fait d'être nerveux, inquiet, ce qu'on va retrouver, une certaine anxiété dans le TDAH, ça va correspondre ou être assez similaire à ce qu'on verra dans un trouble anxieux généralisé, par exemple. Et puis ça, alors c'est les seules données concernant la neurobiologie. Je vous montre cet article parce qu'il a aussi été publié très récemment dans une des meilleures revues de psychiatrie biologique. Et c'est vraiment intéressant, c'est un article qui est court, qui donne des exemples cliniques au début et qui insiste bien sur le fait que, en fait, le TDAH, ce n'est pas du tout un trouble homogène, qu'il y a plein de présentations cliniques possibles et assez variées. Et ils expliquent ensuite qu'on s'est maintenant éloigné de ce paradigme avec la dopamine et le transporteur de la dopamine, hein, sur lequel on s'est beaucoup focalisé parce que les psychostimulants agissent sur la dopamine, mais qu'on sait maintenant que dans le TDAH, c'est vraiment de multiples systèmes de neurotransmetteurs qui sont touchés, avec une très grande variété de réseaux et de structures cérébrales. Et c'est ce qui représente sur ce schéma, en mentionnant par exemple les interactions du réseau du contrôle exécutif et cortico-cérébelleux qui va être utilisé pour réaliser les tâches liées aux fonctions exécutives. Et en fait, dans le TDAH, ça c'est le résultat surtout d'études de neuroimagerie fonctionnelle, structurelle mais surtout fonctionnelle. Ce qui a l'air de ressortir, c'est que ces réseaux montrent une connectivité qui va être partiellement défaillante et puis un niveau d'activation qui va être trop faible quand le sujet réalise des tâches qui nécessitent les fonctions exécutives. Et là, il vous montre simplement les zones d'overlap,
Si on regarde le fonctionnement exécutif, l'attention et le système de récompense, et ils mettent en évidence donc tous ces réseaux qui vont du cortex préfrontal au striatum, cortex pariétal, qui vont être stimulés quand le sujet fait des tâches qui nécessitent les fonctions exécutives et qui seront insuffisamment activées et qui auront probablement une fonctionnalité et une connectivité légèrement ou très dysfonctionnelle suivant les situations. Donc après, ce qu'ils expliquent aussi, c'est que suivant le sujet, un sujet donné qui souffre de TDAH, ça va être un réseau qui va être plus touché qu'un autre ou plusieurs réseaux en même temps. Et donc on a des présentations cliniques qui peuvent être très variées. Certains, ça va continuer à l'âge adulte, d'autres, ça va disparaître pendant l'adolescence, etc., etc. Donc ça donne vraiment une complexité des tableaux cliniques qui fait que ça va aussi être difficile de faire le diagnostic différentiel avec d'autres troubles. Donc ça, c'est un papier pour ceux qui aiment la neurobiologie et les neurosciences. C'est vraiment assez court et c'est très bien décrit. Et puis ça, c'est également un article de revue très récent, extrêmement bien fait, qui s'intéresse au diagnostic différentiel et à la comorbidité et au traitement entre ADHD, troubles bipolaires et troubles de personnalité borderline. Et il a en plus l'avantage de présenter des tableaux avec la similitude des symptômes, mais le degré de similitude. Donc quand c'est extensif, c'est que c'est vraiment des symptômes qu'on va retrouver de manière très marquée dans les deux troubles, et puis d'autres qui sont un petit peu plus légers, un peu moins évidents. Alors là, c'est dans la phase maniaque du trouble bipolaire, où on aura les symptômes que l'on a évoqués tout à l'heure, et que vous allez retrouver dans le TDAH, avec la distractibilité, l'irritabilité, l'hyperactivité physique, etc. Là, c'est la même chose, mais pour la dépression, avec les symptômes de dépression lors de troubles bipolaires, et ici, les symptômes du TDAH, dont certains ressemblent beaucoup à ce que l'on peut voir dans une phase dépressive chez un patient qui a un trouble bipolaire. Là, c'est les différences clés entre les deux troubles. Donc évidemment, le TDAH, ça commence dans l'enfance, classiquement, ou à la préadolescence. Le trouble bipolaire, c'est plutôt l'adolescence, hein, comme on a vu, ou l'âge adulte jeune. Là, il y a vraiment une évolution épisodique avec les phases hypomaniaques, dépressives ou maniaques, et puis ensuite on revient à la normotimie, alors que là, c'est quelque chose de plutôt continu, avec les symptômes qui sont présents de manière constante, etc. L'estime de soi qui est chroniquement faible dans le TDAH, alors que dans le trouble bipolaire, ça va être surtout dans la dépression, peut-être un peu dans la normotimie. Ici, il y a eu beaucoup d'épisodes et de stigmatisation, mais autrement, c'est dans la dépression. Donc ça résume assez bien les différences entre les deux troubles. Et puis là, c'est une étude également récente de l'équipe de Torres à Barcelone, qui a essayé de voir la prévalence de la comorbidité. Donc ils ont étudié des sujets qui avaient un trouble bipolaire et ils ont essayé de voir combien de ces sujets avaient aussi un trouble TDAH associé. Et finalement, parce que là aussi, il y a eu beaucoup d'études publiées les 15 dernières années avec des chiffres parfois extrêmement élevés, hein, de comorbidité chez l'adulte comme chez l'enfant. Il y a des études qui vont jusqu'à 60-70% de comorbidité, ce qui ne correspond pas à ce que nous, on voit en clinique avec nos patients dans l'unité troubles de l'humeur. Et les résultats, c'est 82% de troubles bipolaires sans comorbidité TDAH. Et puis, là, c'est troubles bipolaires avec childhood, donc pendant le TDAH, pendant l'enfance, 7-4%, et puis environ 10% chez qui le TDAH a continué à l'âge adulte. Donc ça fait une comorbidité globale de à peu près 17-18% chez des patients qui ont un trouble bipolaire type 1 ou type 2 avéré à l'âge adulte.
C'est quand même pas négligeable, hein. Ça fait quand même un petit 20% de comorbidité. Au niveau de l'abus de substances, vous avez les différentes substances. Là, c'est enfoncé trouble bipolaire pur, entre guillemets. Et puis, en plus clair, c'est trouble bipolaire et TDAH. Et vous voyez que l'abus de substances pour chaque substance va être beaucoup plus important quand on a les deux troubles associés. Puisque chacun des deux troubles est très souvent concerné par une comorbidité avec consommation de substances. Si on a les deux troubles en même temps, alors là, il y a vraiment un risque majeur de consommer plusieurs substances, cocaïne, cannabis, etc. Qui peut ensuite masquer les troubles, évidemment. On peut se concentrer sur le problème d'abus de substances et puis passer à côté du trouble bipolaire et ou du TDAH. Alors, brièvement, le diagnostic différentiel entre les trois troubles, bipolaire, TDAH et troubles de personnalité borderline. Là, vous avez un tableau qui vous présente les critères du trouble de personnalité borderline. Et en gras, ce sont les critères que l'on retrouve, enfin qu'on pourrait retrouver aussi dans le TDAH. Et vous voyez qu'il y en a 5 sur 9. Donc de nouveau, comme avec le trouble bipolaire, il y a un certain chevauchement qui va compliquer le diagnostic et qui peut amener à des erreurs diagnostiques. Hein, là, par exemple, les relations interpersonnelles qui sont intenses et instables, ça, on va le retrouver aussi dans le TDAH. Il y a souvent des problèmes relationnels, troubles de l'identité, l'impulsivité, évidemment, qui est marquée dans le trouble borderline et aussi dans le TDAH, etc. Là, c'est les différences clés entre ADHD et troubles de personnalité borderline. Alors, le trouble borderline, il commence souvent dans l'adolescence avec une difficulté à mettre en évidence un début précis en général. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Oui, là, c'est les points similaires et les différences hein, sur le tableau. Alors, vous voyez que l'impulsivité, on retrouve chez les deux, comme j'ai mentionné avant, et puis il y a quelques différences. La grande difficulté, c'est trouble bipolaire 2 et trouble borderline, parce que là, on a beaucoup de chevauchements. Pour le trouble bipolaire, l'épisode index, il est quand même bien identifiable. En général, il y a un épisode hypomane ou dépressif qu'on peut identifier. Dans le trouble borderline, c'est beaucoup plus flou, comme je disais avant. Et souvent, les patients disent qu'ils ont une sensation de mal-être qui remonte loin dans l'enfance, que l'humeur était subdépressive, hein, qu'il y a eu des périodes très difficiles depuis longtemps, mais ils ont du mal à dire à l'âge de 10 ans ou à l'âge de 15 ans, vraiment, il y a eu un changement et il y a quelque chose qui fait que le trouble a commencé. La dysrégulation émotionnelle, alors ce qui ressort, c'est que la fluctuation de l'anxiété ou de la colère est plus importante dans le trouble borderline par rapport au trouble bipolaire. Et puis les oscillations entre dépression et anxiété vont également être plus marquées dans le trouble borderline que chez les sujets avec un trouble bipolaire. Comparé aux variations entre l'humeur qui est version euphorique et humeur dépressive dans le trouble bipolaire 2, les oscillations entre anxiété, colère et irritabilité et humeur dépressive seront prépondérantes dans le trouble borderline. Donc c'est des différences plus ou moins marquées, mais qui permettent quand même, entre autres, de faire la différence. L'humeur varie aussi plus entre le matin et le soir, avec une présentation imprévisible de l'humeur dans le trouble borderline. Hein, c'est beaucoup plus imprévisible comparé aux patients avec un trouble bipolaire. Et puis,
ces variations d'humeur chaotiques dans le trouble borderline vont évoluer parfois très rapidement, en minutes ou en heures, avec des variations très fréquentes, un peu comme ce que je vous ai montré au début, avec les variations ultradiennes. Mais on peut aussi le retrouver dans certains troubles bipolaires. Donc on est parfois relativement proche au niveau de la symptomatologie. Et puis l'impulsivité, qui est classique dans le trouble borderline, elle sera plus élevée, mais elle est aussi présente dans le trouble bipolaire 2. Par contre, l'évolution est plus favorable dans le trouble de personnalité borderline. C'est très difficile jusqu'à l'âge de 30, 35 ans, voire 40 ans, et après, en général, la symptomatologie s'atténue, ce qui n'est pas le cas dans le trouble bipolaire 2. Et les automutilations, qui sont fréquentes dans le trouble borderline, mais c'est aussi possible dans un trouble bipolaire de type 2 avec un état mixte où le patient ou la patiente peut avoir des comportements d'automutilation. Donc si on résume, trouble bipolaire, trouble borderline avec les comorbidités les plus fréquentes et le TDAH qui va être comorbide potentiellement avec le trouble de personnalité et ou avec le trouble bipolaire. Vous pouvez avoir évidemment tout l'ensemble de ces troubles. Et là, vous avez un tableau clinique assez complexe qui prendra quand même du temps pour être clarifié et surtout pour trouver le bon traitement psychothérapeutique et pharmacologique. Le screening. Alors, vous connaissez la DIVA, probablement, hein. Donc ça, c'est un très bon outil de screening. Il y a une nouvelle version qui va être traduite. Je crois que tu participes aussi, hein, avec Nader Perrou, notamment. Donc ça sera disponible quelques mois. Donc ça, c'est un questionnaire. Là, c'est écrit petit, mais trouvez-vous souvent difficile de soutenir votre attention sur une tâche? Comment était-ce dans votre enfance? Et puis, exemple à l'âge adulte, exemple pendant l'enfance, etc. Ça, c'est le questionnaire ASRS-1 que nous, on a utilisé pendant pas mal d'années. Nader Perrou, notamment, l'utilisait dans la consultation TDAH, avec toute une série de questions et avec chaque fois une gradation, jamais, rarement, parfois, souvent. À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à finaliser un projet une fois que le gros du travail a été effectué? À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à établir les priorités, etc. Et puis, il y a un algorithme avec des scores qui permettent de dire si le TDAH est probable. On l'avait utilisé dans cette étude qu'on avait réalisée avec Nader Perrou et d'autres collaborateurs du service. Et comme dans d'autres études publiées également depuis, on avait finalement constaté que ce n'est pas un bon outil pour dépister le TDAH chez des patients qui ont un trouble bipolaire. Donc là, on essayait de voir la prévalence de la comorbidité chez des patients qui ont un trouble bipolaire, qui sont suivis dans l'unité, et on essayait de dépister le TDAH, et on avait à peu près 40% des sujets qui étaient dépistés comme positifs à la SRS-1 qui en fait n'avaient pas un TDAH. Donc, ne pas utiliser ce questionnaire, c'est un auto-questionnaire, si vous le faites passer à quelqu'un qui a un trouble bipolaire, parce qu'il y a un risque de faux positif qui est beaucoup trop élevé. Et puis ça, c'est encore un autre questionnaire, le Wender-Utah, avec toute une série de questions et puis de nouveau un certain degré de gradation. Alors, il y en a encore d'autres, mais c'est probablement la DIVA qui est la plus conseillée. Hein. C'est en tout cas ce que recommande l'équipe de Nader Perrou. Pour le traitement de la comorbidité, alors là, les guidelines sont en général d'accord. On traite d'abord la condition la plus sévère. Et c'est presque toujours le trouble bipolaire. Si on a un trouble bipolaire et un TDAH, on va d'abord stabiliser l'humeur
et après on va traiter le TDAH. On le traite si les symptômes persistent après la stabilisation de l'humeur et si les symptômes ont un impact modéré à sévère sur le fonctionnement et la qualité de vie. Si le TDAH est clairement identifié et le trouble bipolaire n'est pas très clair et seulement suspecté, alors on peut traiter d'abord le TDAH, mais surveiller attentivement l'émergence de symptômes hypomanes ou maniaques, même s'ils sont subsyndromaux, puisque là on risque de déclencher une montée de l'humeur, puisqu'on n'a pas donné de stabilisateur de l'humeur, étant donné que le trouble bipolaire n'est pas clairement identifié. Si les symptômes bipolaires émergent durant le traitement, on stoppe le traitement jusqu'à ce que le trouble bipolaire se stabilise. On revoit le diagnostic du TDAH avant de reprendre le traitement, parce que ça, ça peut arriver. On traite le TDAH, l'humeur monte trop haut. À ce moment-là, on arrête et on investigue plus à fond s'il y a ou non un trouble bipolaire et on traite si c'est le cas. Il n'y a pas vraiment de données evidence-based pour les troubles de personnalité borderline, hein, dont on a parlé avant. Et là, c'est vraiment la psychothérapie qui va être indiquée. Le traitement du TDAH devrait toujours être considéré si on a une comorbidité, troubles de personnalité borderline et TDAH. Et quand les symptômes clés du TDAH vont s'améliorer, les patients qui ont un trouble de personnalité type borderline auront en général un meilleur fonctionnement dans la vie quotidienne, meilleur contrôle de leur comportement, et ils auront plus tendance à s'engager et bénéficier des traitements psychothérapeutiques qui sont quand même maintenant bien éprouvés pour le trouble borderline. Donc là, ça vaut aussi vraiment la peine de traiter le TDAH pour que le trouble de personnalité borderline puisse évoluer favorablement. Ça, c'est tiré d'un guideline canadien, le CADRA. Ça remonte à quelques années, c'est 2011, je pense. Guideline qui est très bien fait et qui vous propose comment aborder le traitement en fonction de la comorbidité qui serait présente avec le TDAH. Donc si c'est un trouble bipolaire, c'est ce que je disais avant, on traite d'abord le trouble bipolaire et après le TDAH. Si c'est un trouble anxieux, on traite le trouble le plus invalidant, le plus sévère. Si c'est abus de substance, consommation chronique, on traite d'abord le problème d'addiction. Et puis ensuite, on traite le TDAH. Ça ne sert à rien de traiter le TDAH si le problème de l'addiction n'est pas réglé. Oui, alors ça c'est possible aussi. Bon, on peut essayer de traiter les deux en parallèle. Par contre, si on traite que le TDAH et pas du tout la consommation, ça risque d'être compliqué. Après, c'est les recommandations, hein. C'est des recommandations générales. Il y a toujours les cas particuliers qui demandent une adaptation. Mais vous avez cette expérience avec plusieurs patients, oui. Et souvent, ça va mieux quand je commence le concerta, tout d'un coup, ils arrivent à maîtriser la consommation. Et ils ont moins tendance à consommer, oui. Ça ne résout pas le problème de la consommation, mais ça non. Aide à initier un engagement. Pour traiter la consommation. Ouais. Et ça, la présentation qu'on a eue sur les addictions de Félix, vous disiez la même chose. Maintenant, c'est de plus en plus le cas qu'on traite le TDA. Et Philip Hutchison et puis Levin, qui sont vraiment les experts, là, une que j'avais entendue à UCAN, disaient la même chose. Maintenant, même dans les prisons, etc., ils traitent le TDA et la consommation baisse. Ouais. Après, il faut voir quel traitement pour quelle addiction.
Voilà, ça dépend aussi de la substance, oui, tout à fait. Oui, là, il mentionne que certaines situations nécessitent le traitement concomitant des deux. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Alors, je pense que c'est tout pour les recommandations. Après, on a le temps ou pas? C'est juste une petite vignette clinique d'une patiente que l'on nous avait adressé il y a quelques années, mais c'est pas très long, sauf si... non, ça va. Donc c'était une patiente âgée d'une quarantaine d'années, d'origine sud-américaine, aînée d'une fratrie de quatre. Alors à l'anamnèse, elle ne se rappelait pas très précisément de son enfance. À l'âge de 8 ou 9 ans, elle disait qu'elle avait été d'humeur triste et qu'elle mangeait beaucoup, mais bon, c'était pas très très précis. Et puis, il y avait eu une dépression chez son père. À l'adolescence, elle décrivait avoir fait plusieurs crises de nerfs, se montrait agressive avec l'entourage et avait fugué du domicile familial. Première relation sentimentale à 15 ans. Arrête l'école parce qu'elle voulait travailler comme mannequin à l'époque. Se décrit comme une élève intelligente mais peu studieuse. Donc, un parcours scolaire quand même... pas évident. Consommation d'alcool, abus médicamenteux à l'âge de 16 ans lors d'une rupture affective. Mariée assez jeune, à l'âge de 20 ans, met son mari dans un accident d'avion dramatiquement, meurt 6 semaines après son mariage. Là, évidemment, elle fait un premier épisode dépressif, une tentative de suicide. 2 ans plus tard, elle s'inscrit à l'université, mais ne termine pas après avoir essayé différentes filières. Donc un parcours comme ça un peu chaotique au niveau universitaire. Nouvelle relation affective, mais elle découvre après plusieurs mois que son ami est marié. Épisode dépressif, suivi par une phase hypomane, première phase hypomane, pendant laquelle elle vient s'installer à Genève. Donc elle quitte l'Amérique du Sud, elle vient s'installer à Genève, elle travaille au noir. Elle se remarie, elle a une fille avec son nouveau mari, mais divorce quelques années plus tard, phase dépressive, elle va consulter un médecin qui lui prescrit du citalopram. Elle fait une phase hypomane sous citalopram, donc un virage de l'humeur. Pendant cette phase hypomane, elle dormait 4 heures par nuit, travaillait beaucoup, décide de partir à Saint-Domingue, au Club Med pour 3 semaines, mais finalement elle va rester 4 mois sur l'île avec une phase hypomane qui a duré assez longtemps, plusieurs partenaires, des rapports non protégés. Donc là on est vraiment dans la bipolarité. Elle revient brièvement en Suisse, elle part au Mexique pour travailler dans l'hôtellerie à Cancun. Revient en Suisse après plusieurs années passées au Mexique, notamment après l'ouragan dévastateur qui avait eu lieu dans la région il y a plusieurs années en arrière. Trouve pas de travail, elle s'endette, elle commence un suivi psychiatrique après une attaque de panique qui l'a fait consulter aux urgences, puis elle est orientée sur un CAPI, anciennement CTB, hein, et une consultation de secteur en psychiatrie adulte. Elle va ensuite être adressée à l'unité des troubles de l'humeur, donc chez nous, pour une évaluation et une prise en charge dans le programme il y a 3 ou 4 ans en arrière. À l'entrée dans le programme, elle est au bénéfice d'une rente invalidité. Elle a des prestations complémentaires depuis quelques années, hein, donc elle ne travaille plus. Et au plan diagnostique, dans l'évaluation de l'entrée, on retenait autre trouble affectif bipolaire, donc trouble bipolaire type 2 avec phase hypomane et dépression. Troubles mentaux du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou hypnotiques, et puis troubles de personnalité sans précision, avec des traits borderline et histrioniques. Voilà ce qu'elle prenait quand elle est arrivée chez nous. Donc elle avait du lithium pour son trouble de l'humeur, elle avait un antidépresseur et une benzodiazépine. Diminue ensuite spontanément le lithium. Introduction de quétiapine, donc le séroquel jusqu'à 200 mg
pour une symptomatologie légèrement hypomane, on enlève, enfin, on diminue l'antidépresseur et l'humeur se normalise, mais continue quand même à être assez labile. Pendant les premiers mois de suivi, elle se plaignait régulièrement d'une diminution de la capacité de concentration. Son discours était souvent dispersé pendant les entretiens, assez difficile à suivre parfois. Et puis, l'anamnèse révèle aussi des troubles de concentration qui sont présents déjà depuis son enfance, depuis la scolarité, avec tendance à s'ennuyer, mais pas d'hyperactivité physique. À l'époque, on lui avait fait passer l'ASRS-1 qui était compatible avec un diagnostic de TDAH. On avait commencé le Concerta à 18 mg par jour. Pas d'amélioration significative au début, augmenté à 27 par le médecin qui la suivait. Et puis, dans les jours et semaines suivantes, là, il y avait une amélioration des capacités de concentration que la patiente décrivait. Le discours était moins dispersé. Et on avait l'impression, la patiente aussi, qu'il y avait une réponse thérapeutique. Elle arrivait notamment à beaucoup mieux gérer tout ce qui était administratif. D'après l'assistante sociale qui l'aidait, elle avait beaucoup plus de facilité dans toutes ces démarches-là. Et quelques mois plus tard, elle quitte l'unité pour un suivi en privé. La quétiapine a pu être stoppée. Elle a pris un stabilisateur de l'humeur sous forme de lamotrigine qui a été introduit. Et avec un feedback d'environ 2 ans plus tard, elle prenait toujours son méthylphénidate, toujours le Concerta, avec une évolution qui était globalement favorable et une humeur relativement stable. Donc ça, c'était une patiente vraiment qui était arrivée chez nous avec des symptômes de bipolarité et des traits de troubles de personnalité. Et puis, finalement, la mise en évidence d'un TDAH qui remontait assez loin dans l'enfance avec une bonne réponse à un psychostimulant et un stabilisateur de l'humeur. Et je pense que c'est tout pour le moment.